Salut la compagnie. Aujourd'hui, nous sommes à Niort pour un semi-marathon et je vais commencer par aller chercher mon dossard. Arrivé, le dossard est pris, je vais essayer de trouver un endroit pour manger. Bien, nous voilà à un quart d'heure du départ et tout le monde s'affaire pour aller jusqu'à la ligne. Et on n'est pas en avance. Vous allez sur votre dossard, vous le gardez, ça sera un tirage au sort électronique fait par Lipitos et sous, bien sûr, il y aura un officiel qui validera tout ça, un huissier de justice, qui validera tout ça. On vous appellera, le numéro tira au sort, et il faudra présenter ce petit ticket de dossard avec le dossard. Le speaker parle d'une tombola. Qui a-t-il à gagner? À ce moment-là, je ne le sais absolument pas. Le départ, c'est monsieur le maire de Niort, Jérôme Baloge, qui va s'emparer du pistolet. Donc il va nous donner le départ. Bastien, allez, on monte sur les motos. On ne prend pas de retard, on va essayer d'être à peu près bon au niveau du taille. Les battements du cœur, donc un grand silence qui s'est abattu sur la ligne des départs. Beaucoup de monde se concentrait. Dans quelques instants, le départ va être de... Beaucoup de monde. C'est énorme. Ça dites que vous êtes quasiment presque au premier kilomètre, Arnaud. C'est à vous. Beaucoup, beaucoup de monde. Le soleil apparaît et ça commence à cogner. Beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs, beaucoup d'encouragement. Bravo. Merci. Bravo. Sympa. Bon. Non, je suis tout le monde.
Ça y est, on est au soleil et ça se ressent. La décoration du pont est sympa. On repasse. On va pas dans 10 minutes. Allez, cinquième. Un de moins. Et la foule en délire. Les premiers des lapins. Bonne utilisation des caddies. Pour jalonner le parcours, fallait y penser. Merci, merci. Merci, merci. Allez, allez! Allez, salut! Allez, salut! Il y a un feu rouge, là, faut s'arrêter, non? Merci, merci, merci! Merci, merci! Allez! Allez, tiens! Merci, merci. Merci, merci. Retour au point de départ, place de la Brèche. Merci, merci. Merci. Allez, branche-moi. Allez, allez.
Allez, je vais aller. Bravo, c'est bien, c'est bien. Eh, jolie jupe. Je kiffe. Tu me donneras l'adresse de ton tailleur quand même. Un peu court, hein. Merci les bénévoles. Merci. Allez, hop, dégèle. Et on se casse. Apparemment, ça a quand même pas mal arrosé là. La dernière halte. C'est vraiment dur là. Ça fait trop chaud. Plus l'habitude. L'année dernière, j'étais en Bretagne. J'ai froid en Bretagne. Là, tout de suite, c'est le sud. Ouais. Merci les gars. Merci. Et la foule en délire. On est avec vous. Merci. Merci, merci. Merci camarade. Deux petits kilos et c'est fini. La fin. C'est à ce moment-là que ma GoPro décide de planter, à 300 mètres de l'arrivée. Pour simplifier, la Coulée Verte est un semi-marathon purement urbain. Il y a eu beaucoup de spectateurs qui encourageaient, des habitants qui mettaient de la musique, quelques orchestres. En gros, il y a une superbe ambiance. À l'arrivée est remis un t-shirt, c'est dommage qu'il n'ait pas eu assez de taille M. Moi, j'ai pris un L qui est amplement trop grand pour moi. Et il est remis aussi un sac avec un broyé du Poitou qui n'existe plus et une gourde thermos, ainsi qu'un petit ravitaillement. Coucou. Donc, en bonus, il y a eu une tombola. Et il fallait être présent pour gagner quelque chose. On n'était plus très très nombreux, ce qui a maximisé mes chances pour gagner quelque chose. Le premier lot était un séjour sur la Venise Verte, ce qui m'aurait permis de gagner quelques points auprès de madame. Les quatre lots suivants étaient des vélos électriques et j'ai gagné le premier. Et voilà. Salut, à tu es fête.